Mais cette planète est toujours importante pour l'Empire. Pensez à ses ressources, à sa position stratégique. Ce seront des objectifs ultérieurement. Notre priorité, c'est Corellia. L'Empereur a été clair.
Évacuez les troupes qu'il vous reste et allez au point de rendez-vous 1. Par ailleurs, Savik, la prochaine fois que j'appelle, vous répondrez en personne. Les nobles, les bêtes, ils vont me faire exécuter. Vous aviez promis de m'aider. Vous ne pouvez pas m'abandonner. Partez avec mes droïdes, Petrif. Ils assureront votre sécurité. Vous régnerez bientôt à nouveau sur Onderon. Encore vous. Vous avez encore surpassé mes estimations les moins favorables. Quelle toupet! C'était déjà? J'espérais que nous discuterions un peu après tout ce temps. Ne faites pas semblant. Je sais que vous ne vous souvenez pas de moi. Ceci est un émetteur de neutrons. Une fois chargé, il émet une onde d'énergie qui détruit toute vie organique dans son périmètre. La portée englobe l'ensemble du bâtiment et l'effet dure plusieurs heures. Lorsque vous serez mort, mes droïdes auront tout le temps nécessaire pour fortifier le bâtiment contre d'autres incursions. Devrions-nous fuir? Vous pouvez toujours essayer. Quel est le moyen le plus rapide de sortir d'ici? Par le balcon, évidemment. Si seulement quelqu'un avait eu la brillante idée d'installer ce système de pilotage à distance sur notre vaisseau... Et de l'amener ici dès que ça commence à chauffer. Quel génie pourrait faire cela? On n'a pas fini d'en entendre parler, c'est ça? Très bien. Et les gardes dans le couloir est? Oui, je sens qu'il y en a deux. Ils sont nerveux, mais c'est la situation. Ils ne sont pas menaçants. Exactement. Et le couloir nord? Ils sont... trois. Ce ne sont pas des gardes. La sensation est... différente. Des cuisiniers, peut-être. C'est bien cela? Et ressentez-vous l'amicide du commandant, dans l'armurerie? Non. Je sens qu'il y a des gardes. Mais personne d'autre. Oh, je n'arrive même pas à détecter un seigneur Sith. Pas très encourageant, hein. Je ne ressens pas non plus son énergie. Mais c'est parce qu'elle vérifie la porte principale, à l'extérieur. Vos amis feront des erreurs. Vos ennemis vous mentiront. Vos sens peuvent se tromper. Mais vous pouvez toujours faire confiance à la Force. Notre mission ne s'est pas passée comme prévu. Et vous? Tout est calme ici. Merci pour votre patience. Les nobles préféreraient débattre pour savoir qui a le plus souffert de la trahison du roi, plutôt que de prendre une décision sur la suite des événements. Nous avions raison pour Dark Savik et le roi Petrif.
Les Sith l'ont manipulé pour qu'il attaque. Tous deux sont parvenus à s'échapper. Avez-vous des indices sur leur prochaine destination ? Dark Malgus a ordonné à Savik de quitter Onderon, mais c'est tout ce que je sais. Je crois que c'est le moment de rendre une petite visite aux autres agresseurs, les Indomptés. Les Indomptés ne combattraient pas pour les Sith, à moins d'avoir été manipulés plus encore que Petrif. Ils doivent être d'autant plus en colère. Leur connaissance des régions sauvages surpasse celle de nos meilleurs éclaireurs. Ils auront à la fois l'envie et les moyens de retrouver Savik. Ils ont essayé de nous tuer. Peut-on vraiment leur faire confiance ? Je ne comprends pas leur code de l'honneur, mais ils en ont un. Si vous le respectez, ils devraient coopérer. Ils doivent être en deuil. J'ai fait en sorte que leur mort leur soit rendue afin qu'ils puissent respecter les traditions qu'ils révèrent. Allumez les bons flambeaux en approchant de leurs repères, et ils vous traiteront avec un minimum de respect. Si la sénatrice Nebet est d'accord, nous lèverons des volontaires parmi la milice urbaine. Dès que vous saurez où se cache Savik, nous pourrons lancer une attaque coordonnée. Bien sûr. Justice sera rendue sur Onderon. Bonne chance, commandant. Thank you.
Nous honorons Akoro. Nous honorons ceux qui sont tombés. Étrangers, vous respectez nos rites et nos coutumes. Vous montrez le respect dû au véritable maître de ce monde. Dites ce que vous avez à nous dire, mais faites vite. Je cherche Dark Savik. Savez-vous où elle se trouve ? Un étranger qui cherche une étrangère. En quoi cela nous concerne-t-il ? Plus tôt je trouverai Savik, et plus tôt je quitterai Onderon. C'est tout simple. Moins il y a d'étrangers qui abîment notre monde, mieux c'est. Si vous partez en emmenant d'autres corrupteurs, cela nous va. Les anciennes terres des épreuves. Vos citadins sauront où les trouver. Savik pensait pouvoir y cacher un vaisseau. Aux yeux d'autres étrangers, peut-être. Mais pas à nous. C'est là que vous la trouverez avec Petrif. Partez maintenant. Nous ne souffrirons plus jamais votre présence ici. Les navettes étaient bien cachées, mais nos capteurs sont verrouillés maintenant que nous avons leur localisation. Nous serons informés de leurs moindres mouvements. Les volontaires de la milice urbaine et les speeders sont prêts. Nous y serons en quelques minutes. Tao, Arn, encadrez les volontaires et attaquez depuis l'autre côté. Faites beaucoup de bruit. Attirez l'attention de Savik. J'irai à pied et je prendrai Savik par surprise. C'est reparti comme sur Malrev 4. Ce n'est pas ce que disent mes circuits mémoire. Les terres des épreuves sont antiques et dangereuses, même sans patrouille impériale. Faites attention. Si vous parvenez à trouver Petrif, ramenez-le. Plus tôt il sera jugé pour la trahison de son peuple, mieux ce sera. Un roi en exil peut donner sa propre version de l'histoire, rassembler des soutiens et poser d'interminables problèmes. Mais on oublie vite un homme en prison. Si Petrif est emprisonné, qui le remplacera sur le trône d'Onderon ? Cela sera débattu par le Conseil des Nobles. Ses cousins devraient lui succéder, mais il ferait de bien piètres souverains. Le capteur indique des sources d'énergie. Les navettes se préparent peut-être à appareiller. Allons-y. Assurez-vous de provoquer le plus de chaos possible. Il ne faut pas que Savik me voie arriver. Que la force soit avec nous.